Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous raconte tout sur les prochains événements passionnants de demain nous appartient. On est déjà à la saison 8, épisode 1788, et les intrigues ne cessent de s'intensifier. Aujourd'hui, on va parler de Victor qui sort enfin de prison et retrouve son fils Timothée. Timothée continue de s'émanciper en se rapprochant de Bar, et les choses évoluent entre eux. Mais ce n'est pas tout, Philippine se bat pour son fils Charles. Qui est rongé par la culpabilité. De son côté, Romy découvre un héritage inattendu laissé par Malik pour Ryan, mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Un incident choquant au Spoon bouleverse tout le monde. Et enfin, Alain semble avoir trouvé un charme particulier à une sétoise, mais les sentiments ne sont pas partagés. Intrigues amoureuses et drames familiaux sont au rendez-vous. Restez avec nous pour tous les détails croustillants de cet épisode. C'est parti! dans demain nous appartient, après une période passée derrière les barreaux, Victor finit par retrouver la liberté. À sa sortie de prison, c'est son fils Timothée qui est là pour l'accueillir. Timothée, qui a grandi et gagné en maturité, l'attend avec impatience pour le ramener chez eux. Cependant, Timothée ne souhaite plus vraiment vivre sous la coupe de son père. Il est en plein dans un processus d'émancipation c'est-à-dire qu'il veut progressivement prendre son indépendance et vivre sa propre vie. Pour cela, il a décidé de quitter le domicile familial et de s'installer dans une colocation avec Barr, un ami avec qui il s'entend bien. Cette décision marque une étape importante dans la vie de Timothée, car elle symbolise son désir de devenir plus autonome et responsable. Victor, bien que tout juste libéré, comprend les choix de son fils. Au lieu de s'opposer à cette idée, il se montre compréhensif et fier de voir que Timothée est en train de construire des amitiés solides. Notamment avec Barr. Cela le rassure de savoir que son fils est bien entouré et qu'il progresse dans sa quête d'indépendance. Plus tard, au spoon, Timothée partage un moment simple mais réconfortant avec Rachel, une personne qu'il apprécie. Pour lui faire plaisir et passer un bon moment ensemble, il lui propose de boire un verre de lait. Mais il ne s'arrête pas là. Il lui prépare également des tartines qu'il recouvre généreusement de beurre de cacahuète. Ce geste, bien que modeste, est plein d'attention et montre à quel point Timothée prend soin des personnes autour de lui. Cette petite collation, simple et douce, semble apporter un sentiment de confort et de bien-être, rendant leur interaction encore plus agréable et chaleureuse. Dans cet épisode, Philippine rend visite à Charles lors d'un parloir un moment où elle peut enfin lui parler en tête-à-tête. Tête. Avant de s'y rendre, elle demande à Violette et à Damien de lui écrire un petit mot bienveillant à transmettre à Charles, comme une marque de soutien dans cette période difficile. Violette semble prête à apporter son soutien, mais Damien, lui, hésite. En réalité, il préfère prendre ses distances par rapport à cette situation compliquée. Pour lui, Garder une certaine réserve est probablement une manière de se protéger émotionnellement face à la gravité de ce qui se passe. Cependant, Philippine ne partage pas cette approche. Pour elle, malgré l'erreur que Charles a pu commettre, il est important de ne pas l'abandonner dans cette épreuve. Elle estime que, même s'il a mal agi, il ne mérite pas d'être complètement isolé et rejeté par ses proches. Philippine considère que Charles a encore besoin de leur soutien moral pour traverser cette période difficile, et elle refuse de le laisser seul. Une fois au parloir, Philippine profite de cette occasion pour s'excuser auprès de Charles. Elle lui exprime son regret en lui expliquant que les choses n'auraient jamais dû tourner ainsi. Elle est sincèrement désolée de la tournure des événements et tente de lui faire comprendre que ce n'était pas ce qu'elle avait envisagé. Philippine pense également que Charles n'aurait jamais dû se sacrifier comme il l'a fait. Selon elle, la police n'avait pas suffisamment de preuves contre eux, et son acte de sacrifice n'était pas nécessaire. Elle lui fait savoir qu'elle pense qu'il aurait pu éviter de se mettre dans une telle situation, surtout si les autorités n'avaient pas vraiment d'éléments solides contre eux. Dans Demain nous appartient, Charles est rongé par un profond sentiment de culpabilité. Lors de son échange avec Philippine au parloir, il confie à sa mère qu'il estime mérité d'être en prison. Il n'a pas oublié que deux personnes ont perdu la vie à cause de lui, et ce poids sur sa conscience est immense. Il se sent tellement coupable que, d'une certaine manière, être derrière les barreaux lui apporte un certain soulagement, comme si la peine qu'il purgeait était une forme de rédemption pour ses actes passés. Malgré cela, Charles exprime son besoin de voir sa mère rester forte pour le bien de la famille. Il demande à Philippine de tenir bon dans cette épreuve difficile, car il sait combien cela peut être éprouvant pour elle. Philippine, de son côté, est déterminée à faire tout son possible pour aider son fils. Elle promet de trouver le meilleur avocat de la ville afin de le sortir de cette situation, montrant ainsi son soutien indéfectible. Charles, avec une pointe de résignation, lui assure qu'il ne lui en veut pas, qu'il ne la tient pas responsable de ce qui s'est passé. Avant de clore la conversation, Charles adresse à sa mère une phrase qui résume à la fois leur lien et leur caractère commun On est pareil, toi et moi. Par ces mots, il semble reconnaître une certaine similitude entre eux, peut-être dans leur choix, leur personnalité ou leur façon de réagir face à des situations difficiles. Point. Cela reflète une profonde connexion entre eux, malgré les événements tragiques qui les ont conduits à cette situation. Par ailleurs, dans une autre intrigue de demain nous appartient, Malik continue de faire parler de lui, en particulier dans la vie de Romi et Ryan. Romi a un rendez-vous important chez le notaire, une rencontre déclenchée par Malik, en lien avec les 18 ans de Ryan. Cet événement semble soulever des questions sur les intentions de Malik. Karim, inquiet pour Romi et Ryan, exprime ses doutes sur les capacités de Malik à vraiment les séparer. Il est persuadé que, Malgré les tentatives de Malik, ce dernier ne pourra pas briser le lien qui unit Romy et son fils Ryan. Dans Demain nous appartient, une nouvelle intrigue se déploie autour du testament de Malik, rédigé un an avant sa mort. Dans ce testament, Ryan a hérité d'un mystérieux sac. Curieux et un peu inquiet, Ryan décide de l'ouvrir en présence de sa mère, Romy, alors qu'ils se dirigent ensemble pour découvrir ce que contient le sac. Il ressent une présence étrange dans la rue, comme s'il était suivi par quelqu'un, ajoutant une tension palpable à la scène. Finalement, il décide de s'installer à une terrasse du Little Spoon pour examiner le contenu du sac plus tranquillement. Au moment où Ryan l'ouvre, il découvre plusieurs objets qui semblent chargés de symbolisme et de souvenirs. Parmi eux, un CD contenant des photos et des musiques, une chevalière, ainsi que le smoking que Malik portait lors de son mariage avec Romy. Ces objets semblent profondément personnels et liés à des moments marquants de la vie de Malik, laissant Ryan et Romy plongés dans l'émotion de ses souvenirs. Cependant, alors qu'ils sont encore absorbés par la découverte du contenu du sac, un homme masqué surgit soudainement. Avec une agressivité inattendue, il se précipite sur eux, ayant pour objectif de voler le sac qui, visiblement, est plus précieux qu'il n'y paraît. La situation dégénère rapidement lorsqu'il tente d'arracher le sac des mains de Ryan. Jack, qui se trouve à proximité, intervient immédiatement pour protéger son ami et tenter de stopper l'homme masqué. Malheureusement, l'assaillant réagit violemment. Il pousse Jack avec force, et ce dernier, déséquilibré, chute lourdement au sol. L'impact est si brutal que Jack perd connaissance, laissant ses amis sous le choc, tandis que l'homme masqué s'enfuit avec le sac. Cette scène dramatique laisse planer de nombreuses questions sur les motivations du voleur et l'importance réelle de ce sac hérité de Malik. Dans Demain nous appartient, après l'agression de Jack, Romy, Karim et Ryan se retrouvent tous à l'hôpital, très inquiets pour lui. La scène est empreinte de tension et de préoccupation. Heureusement, après avoir reçu des points de suture sur le crâne, L'état de Jack s'améliore grâce aux antidouleurs administrées par les médecins. Cependant, l'atmosphère reste tendue, notamment en raison des circonstances mystérieuses entourant l'agression. Karim, qui tente de comprendre ce qui s'est passé, partage avec Romy et Ryan ses premières hypothèses. Il pense que l'homme masqué pourrait être un simple pickpocket, intéressé principalement par la chevalière qui se trouvait dans le sac, un objet de valeur. Malgré cette supposition, la situation ne semble pas si simple, et l'origine de cette attaque reste floue. Souhaitant aller plus loin dans l'enquête, Karim a demandé à Georges de consulter les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Il découvre que Romy et Ryan avaient été suivis dès leur sortie du rendez-vous chez le notaire. Ce qui confirme que l'agression n'était probablement pas un acte aléatoire. Face à cette nouvelle information, Karim décide qu'il est temps de dire toute la vérité à Romy. Afin qu'elle puisse comprendre l'ampleur de la situation. Romy, à la surprise de Karim, réagit d'une manière inattendue. Elle lui avoue qu'elle n'est pas mécontente que le sac ait disparu. Pour elle, ce sac symbolise une partie du passé qu'elle aimerait oublier, notamment tout ce qui concerne Malik. Elle confie à Karim qu'elle souhaite que Malik sorte définitivement de leur vie, comme si ce sac représentait un lien persistant avec son ex-mari, un lien qu'elle désire couper. Cependant, la situation prend un tournant encore plus surprenant lorsque Ryan fait une découverte troublante. En fouillant dans une poubelle, il tombe sur une lettre de Malik, déchirée en plusieurs morceaux. Intrigué et déterminé à comprendre ce que son père voulait lui dire, Ryan reconstitue patiemment les fragments de papier. Lorsqu'il réussit enfin à rassembler tous les morceaux, il découvre une révélation choquante. Dans la lettre, Malik écrit, ta mère n'est pas celle que tu crois, elle t'a menti toute ta vie. Ces mots bouleversent Ryan, en lisant ce message, il comprend que Karim lui a menti ou, au minimum, caché des informations importantes sur sa mère, Romy. Cette découverte va inévitablement créer des tensions et soulever de nouvelles questions sur les secrets de famille et le passé caché de Romy. Dans demain nous appartient, Alain commence à se sentir de plus en plus à l'aise à Sète et est sous le charme d'une femme locale. Après une petite maladresse, il s'excuse auprès de Mona et Joël pour son comportement. Mona, bienveillante, lui pardonne sans hésitation. Elle lui montre même de la gentillesse en lui offrant un café et en lui réservant une part du plat du jour, signe qu'elle ne garde aucune rancune envers lui. Un peu plus tard, Alain s'installe pour déjeuner au Spoon. Alors qu'il est en train de profiter de son repas, il aperçoit Marianne qui arrive pour manger également. Alain, visiblement intrigué par elle, lui propose de se joindre à sa table pour partager ce moment. Cependant, Marianne décline poliment son invitation, elle lui explique qu'elle souhaite profiter de sa pause pour avancer sur son travail, préférant rester seule pour se concentrer. Même si Marianne refuse son invitation, cela ne semble pas décourager Alain. Un peu plus tard, Mona discute avec Marianne de cette situation et révèle que, d'après elle, Alain semble avoir un petit faible pour Marianne. Elle lui fait remarquer qu'Alain lui a tapé dans l'œil, ce qui laisse supposer qu'il est intéressé par elle. Cependant, Marianne, très directe, lui répond qu'elle n'a aucun intérêt ni pour Alain, ni pour un autre homme en général en ce moment. Elle n'est pas du tout à la recherche d'une relation amoureuse. Mona, en revanche, est dans une toute autre dynamique et lui parle avec enthousiasme de sa relation avec Joël, qu'elle vit comme un véritable rêve éveillé, une période de bonheur et d'harmonie. De son côté, Alain semble s'adapter parfaitement à la vie à 7. Lors d'une conversation avec Soisic et François, il confie à quel point il se sent bien dans cette ville. Il semble apprécier l'ambiance et la compagnie des gens qu'il rencontre. Alain, qui semble de plus en plus intéressé par Marianne, Demande alors discrètement à Swazik quelques informations sur elle, cherchant à en savoir plus. Ce geste révèle son intérêt croissant pour Marianne, même si cette dernière n'est pas encore réceptive à ses avances. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce récap complet des intrigues à venir dans demain nous appartient. Comme toujours, la série nous tient en haleine avec des retournements inattendus et des moments d'émotion intense. Alors Qu'avez-vous pensé de la sortie de prison de Victor Ou encore de ce mystérieux héritage de Malik pour Ryan Dites-nous tout en commentaire. Vos théories sont les bienvenues. Point. Si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être les premiers informés des dernières nouveautés. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à 7. Merci à tous pour votre soutien et à la prochaine. Prenez soin de vous et à très vite.